Bonjour et bienvenue à tous pour cette troisième vidéo des présentations de livres des débuts de romans que j'aurais sélectionnés par leur côté insolite, par leur côté merveilleux et par leur côté étonnant et que je voudrais recommander ainsi par ma lecture et par ma présentation ces livres-là. Et aujourd'hui, pour ce troisième épisode des Premières Gouttes, j'ai sélectionné ce livre, Pieds nus dans l'aube, de Félix Leclerc. Alors, pourquoi j'ai sélectionné ce livre? Parce que c'est un livre que j'affectionne beaucoup, qui m'est très cher personnellement. Et en fait, sans cette thématique. Et sa façon de traiter ces thématiques dans ce livre, je ne les ai trouvées nulle part ailleurs que dans ce livre. Et d'une façon vraiment très surprenante au niveau de la poésie, au niveau du choix du vocabulaire qui est très très spécial, au niveau des personnages qui sont tout à fait jouissifs, j'ai envie de dire, pour le lecteur, les uns que les autres. Et en fait, la thématique de Pieds nus dans l'aube, on peut le déduire par son titre déjà. Pieds nus, ça évoque la netteté, ou quelque chose qui est clair, quelque chose qui est pur, la pureté. Et dans l'aube, ça veut dire le début de quelque chose, le début, donc c'est le début de la journée. Et donc j'ai envie de dire que pieds nus dans l'aube, c'est un petit peu les premiers pas d'un nouveau-né ou d'un bébé sur la terre. Et donc il est très pur et pieds nus et dans l'aube, donc c'est son enfance. Donc un petit peu, c'est un livre sur l'enfance pour dire clairement les choses. Et c'est un livre sur l'enfance écrit par quelqu'un qui est très attaché à une culture, à une ancestralité et un environnement très particulier, mais qui est très très vivant, très proche de la nature, et qui est incroyablement adouci par une certaine poésie de mots, une certaine poésie de la langue française, qui fait que ce livre se distingue des livres d'enfance qu'on lit souvent. Et c'est un roman, ce n'est pas des mémoires, ce ne sont pas des souvenirs, comme on peut les qualifier. C'est un roman en ce sens où il y a beaucoup de fictionnel dedans, mais toujours avec une base d'autobiographie. Et les personnages aussi, il y en a beaucoup qui sont, qui n'étaient pas véritables, de l'aveu même de l'auteur. Et le livre, il est écrit en 1951, je crois, si je ne me trompe. Je suis pas très sûr des dates. Toujours est-il que Félix Leclerc, il est beaucoup plus connu pour être un chanteur engagé, chanteur canadien, chanteur à texte, donc poète, un peu comme Léo Ferré, un peu comme Brassens, comme ce genre de personnage en France. Et Félix Leclerc, en étant canadien, il était très attaché à sa culture natale, et donc il la défendait autant dans ses poèmes que dans ses livres. Et puis il a pas tant que ça écrit quand même. Il a écrit des poèmes au milieu des années 40. Il a écrit une pièce ou quelques scénettes de théâtre. Et puis il a écrit quelques romans et quelques recueils de fables et de contes. Et le recueil de fables et de contes, bien sûr, c'est cet enracinement dans la culture québécoise. J'ai dit canadien au début, j'espère que non. Parce que il est québécois. Je m'excuse si j'ai fait cette bévue parce que j'étais en train de penser à un autre auteur du Canada. Toujours est-il que voilà, ces livres sont toujours référentiels pour cette terre du Québec et qui est très très proche dans les habitudes de vie des gens, le quotidien des gens, est très proche de la nature. Que pourrais-je dire d'autre? Pieds nus dans l'aube, c'est vraiment une poésie à fleur de peau, une poésie qui est pour tout le monde, une poésie qui ne demande pas trop d'efforts et qu'on rentre dedans et
C'est comme si on prenait un bain, j'ai envie de dire. C'est comme un bain de jouvence, un bain de jouissance, un bain d'émerveillement, un bain de mystère aussi. Et voilà, on voyage. Et c'est un mystère, c'est des mystères que je pourrais qualifier de poétique, mais aussi d'intellectuel. D'intellectuel dans le sens où ce n'est pas que le bon poème pour qui va nous faire sourire, le bon poème hugolien de Enfantine par exemple, ou je ne sais, je n'ai pas trop d'exemples dans ma tête, mais ce n'est pas vraiment la poésie comme la poésie de comme le poème sur l'école là, de Prévert. Il dit oui avec, il dit non avec la tête, il dit oui avec le cœur. Vous voyez ce genre de langage simpliste, ce n'est pas que ça. C'est ça et en même temps c'est dosé d'une poésie presque surréaliste dans l'entrechoquement des mots, dans l'entrechoquement des formules, de registres de langue aussi. On peut avoir du soutenu tout à fait très proche. Avec un registre plus familier, peut-être même populaire, peut-être même il y a même des jargons de bûcherons. Donc là, on est vraiment traversé par quelque chose de très authentique. Et voilà, donc le livre, il est fidèle à son auteur, il est fidèle à son environnement, et avec beaucoup, beaucoup de bonheur, on rentre dedans, et avec beaucoup, beaucoup d'émotion, on lit les aventures de ce petit enfant qui était Félix Leclerc. Et j'ai envie de vous lire juste un petit jugement critique qui a été fait par un critique dans un journal de l'époque en 1947 et qui résume et qui rend justice aussi à toutes mes hésitations là que j'ai dit auparavant, comme quoi voilà, qu'il était canadien alors qu'il était québécois, tout ça. Je m'excuse encore, mais toujours est-il que je fais ça au vif et je ne fais pas de répétition, c'est pour ça que ça paraît un peu en dents de scie. Alors, Jean-Jacques Tremblay dit dans Le Droit du 15 février 1947: Pourquoi les contes de Leclerc réussissent-ils toujours à nous émouvoir et à nous plaire? C'est très simple. Dans un siècle de factices et d'emprunté, d'arbitraire et de snobisme, Leclerc se présente en poète du vrai, du réel. Il raconte avec sincérité, naïveté même, enthousiasme, en baignant son récit de rappel au bon sens, au naturel, au primitif. Sa philosophie, celle des gens humbles, des terriens rivés au sol, encore indemne des déséquilibres malsains de l'esprit moderne. Une maison chaude, du pain sur la nappe, des coudes qui se touchent, voilà le bonheur. Première partie. Nous sommes tous nés, frères et sœurs, dans une longue maison de bois à trois étages. Une maison bossue et cuite comme un pain de ménage, chaude en dedans et propre comme de la mie. Coiffée de bardeaux, offrant asile aux grives sous ses pignons, elle ressemblait elle-même à un vieux nid juché dans le silence, débié avec le vent du nord, admirablement composée avec la nature. On pouvait la prendre aussi, vu du chemin, pour un immense caillou de grève. C'était en vérité une têtue, buveuse de tempêtes, de crépuscules, décidée à mourir de vieillesse comme les deux ormes, ses voisins. Elle tournait carrément le dos à la population et à la ville pour ne pas voir le quartier neuf où poussaient de ses petites demeures éclatantes, fragiles comme des champignons. Face à la vallée, boulevard du Fauve Saint-Maurice, notre maison, fixée comme en extase, la lointaine caravane des monts bleus là-bas, sur lesquels se frappaient des troupeaux de nuages et les vieux engoulevents qui n'avaient pu sauter. Rouille sur le flanc, noir sur le toit, blanc autour des fenêtres, notre lourd berceau se tenait écrasé sur un gros solage de ciment, rentrer dans la terre comme une ancre de bateau pour bien nous tenir. Car nous étions 11 enfants à bord, turbulents et criards, peureux comme des poussins. Une grande cheminée de pierre de champ
Robuste rappeuse, prise dans le mortier lissé à la truelle, commencée dans la cave près des fournaises ventrues, par-dessus la petite porte à courant d'air où on mettait un miroir, on découvrait les étoiles. Comme un moyen de roue, elle passait entre les étages en distribuant des rangs de chaleur. Puis elle débouchait à l'extérieur, raide comme une sentinelle, à panache et fumée, cheveux au vent, près d'une échelle grise cachée. L'échelle grise et la petite porte noire de suie n'étaient pas pour l'usage des hommes, nous avait-on appris, mais pour un vieillard en rouge qui, l'hiver, sautait d'un toit à l'autre derrière ses rênes harnachées de blanc. De bas en haut, de haut en bas, notre chez-nous était habité, par nous au centre, comme dans le cœur d'un fruit, dans les bords par nos parents, dans la cave et la tête par des hommes superbes et muets, coupeurs d'arbres de leur métier. Sur les murs, les planchers, entre les poutres, sous les escaliers, près des tapis, dans le creux des abat-jours, vivaient les lutins, les bonhommes, 7 heures, les fées, les éclats de chant, l'ustucru, les échos de jeu. Dans les veines de la maison courait la poésie. Nous avions la chaise pour nous bercer, le banc pour faire la prière, le canapé pour pleurer, l'escalier à 2 marches pour jouer au train. Aussi, de ces jouets savants que nous n'osions toucher, telle cette bête à 2 fils, au long bec, sonnerie au front, qui conversait avec les grandes personnes. Un prélard, fleuri devenait un parterre. Un crochet, c'était l'écrou pour rouler les câbles de nos bateaux imaginaires. Les escaliers servaient de glissoires, les tuyaux le long des murs de mâts, et les fauteuils de scène où nous apprenions avec les chapeaux, les gants et les paletots des aînés, les grimaces que nous faisions aujourd'hui, sans rire. Le rez-de-chaussée était coupé sur la longueur par un vaste corridor. Quelques chaises à barreaux faisaient cercle dans un coin. Au-dessus, une rangée de crochets en point d'interrogation disparaissait sous les vêtements des visiteurs ou clients qui venaient consulter papa, le gros commerçant de bois de la vallée. Se touchaient le salon et une chambre pour les étrangers. Le premier, très modeste, avec son piano noir, ses rideaux enfilés, une bergère bleue, quelques fauteuils vieux style capitonnés de satin, dont une berçante à ressort, vêtue comme une dame des siècles passés avec des glands au bas de sa robe, ses cadres à bordure dorée, égayaient nos vies comme un dimanche. La chambre de nos parents avait ses portières tirées sur d'impénétrables secrets. Dans la pénombre dormait la commode remplie de draps sentant la camphre, entre lesquels maman cachait des cahiers mystérieux, gardien de l'heure exacte de notre naissance, des noms de nos parents, de nos parrains, de nos marraines et des événements très intimes à la famille. À gauche du corridor, un fumoir servait à la fois de bureau à mon père et de bibliothèque commune. Une porte débouchait sur la salle à dîner, une salle d'études serait plus exacte, car nous ne mangeions là qu'une ou 2 fois par an. Dans la chambre à couture, entre la machine à coudre et un immense placard, nous recevait le canapé pour pleurer. Au fond de la maison, sur toute la largeur s'étendait gaie et chantante, la cuisine avec son poêle en fonte coiffé d'un miroir, ses armoires rouges, sa mousseline comme un brouillard dans les étroites fenêtres, ses plaques de soleil sur les pattes de la longue table de famille. Là brillait la lampe toujours allumée, connue dans l'histoire de tous les peuples. L'âme du foyer. Là, nous étions tenus au courant de bonnes et de mauvaises nouvelles. Là, papa signait nos bulletins de collège. Là, dans la haute chaise berceuse, souvent, nous nous sommes assis en silence pour repenser aux choses de la création, découvertes le jour, et pour réfléchir à ce monde merveilleux et bizarre où nous étions tombés. Au premier étage s'alignaient les chambres à coucher des enfants. Il y en avait 8. Je crois que garçons et filles se partageaient. Chez les filles, c'était plus propre, plus rose, plus aéré, plus aérien que dans nos garçonnières. Sur leurs murs, elles piquaient des cadres minuscules, des silhouettes gracieuses, des brindilles de fleurs. Sur les nôtres, nos collions de grossiers et immenses calendriers, chasseurs à l'affût, bonhommes fumant du tabac frisé.
Notre chambre, la plus spacieuse de l'étage, donnait sur le jardin, un minuscule jardin de terre noire, rempli comme une corbeille, coupé de droits petits sentiers que nous arrosions chaque soir sous l'œil des lapins. Notre chambre, la plus spacieuse de l'étage, donnait sur le jardin, un minuscule jardin de terre noire, rempli comme une corbeille, coupé de droits petits sentiers que nous arrosions chaque soir sous l'œil des lapins. Nous avions chacun notre lit. Un petit lit blanc à vraie paillasse, à poteaux de fer terminés en boule de cuivre, où nous pendions nos linges, le tire-roche et nos deux bras dans une prière. Au dernier étage, une véranda tamisée s'avançait, bombée comme une cabine de pilote. Vraie tour d'observation flanquée au-dessus des remous de la vallée semblables à ceux d'une mer, remous blancs de poudrerie, remous de draveurs au printemps, remous de familles pauvres cueilleuses de fruits sauvages, remous de feuilles tombantes, des pluies de soleil, des coups d'ailes d'oiseaux, remous des sentiers d'enfants, de chasseurs, remous de pêcheurs. Durant les nuits chaudes, nous dormions devant tous ces remous, sur cette galerie de bois, également chambre à jouer des petits. Soldats, oursans, tambours, minuscules sabots, poupées attablées devant des petits plats vides, faisaient là bon ménage ensemble. Un pan en fer blanc, fabriqué jadis par mon frère, le premier, ouvrait l'entrée vers ce monde de carton. À l'étage supérieur, derrière un œil de bœuf, c'était le grenier. Cage longue, déserte, poussiéreuse, dortoir d'hiver de quelques bûcherons. Sur des paillasses entre des chaises à trois pattes et des portraits d'ancêtres, ces hommes, véritables proies du sommeil, culbutaient chaque soir dans la nuit. Et comme l'équipage d'un navire heureux ne pense ni aux arrivées ni aux départs, mais à la mer qui le porte, nous voguions dans l'enfance, voiles ouvertes, émues des matins et des soirs, n'enviant ni les ports ni les villes lointaines, convaincus que notre navire battait nos bons pavillons et renfermait les filtres capables de fléchir pirates et malchance. Nous habitions rue Clairefontaine, numéro 168. Voilà, un tout petit bout, les premières gouttes de Pieds nus dans l'aube de Félix Leclerc, un roman d'enfance que je conseille vivement, car l'émerveillement y est total, la joie y est incroyablement distillée, et les étonnements souvent, souvent grandioses. Alors ce livre est à rapprocher bien sûr des livres d'enfance chéris que vous... ou que vous connaissez ou pas, mais dont vous avez entendu parler, comme les livres, les mémoires de Marcel Pagnol, le temps des secrets, je me rappelle plus, le temps des secrets, je me rappelle du château de ma mère, la gloire de mon père, voilà, tous ces livres-là de Marcel Pagnol sont enchanteurs. Ils sont arrangés dans la même catégorie que ce livre. Et dans une lointaine comparaison, on pourrait rapprocher ça aussi du livre L'enfant et la rivière d'Henri Bosco. Voilà, un écrivain aussi qui est très très attaché au terroir. Et encore plus lointainement, on peut retrouver aussi des assonances, j'ai envie de dire. Thématique et poétique dans les œuvres de Charles Dickens et dans l'œuvre d'Hector Malot, Sans famille. Voilà, en vous remerciant, j'espère que j'ai pas trop écorché trop de choses dans cette présentation. Voilà, je vous recommande vivement Pieds nus dans l'aube et je vous dis à bientôt.